m'a dit, enfant de Dieu, ça, c'est banane zambé, c'est ça? Est-ce qu'on a des bananes zambé ici? On a une chanson pour nous. Je ne pouvais pas venir ici à Kinshasa et ne pas chanter la chanson Wonderful. Est-ce que mon frère Isaac Bola est là? Est-ce que mon frère Isaac Bola est là? C'est bon, hein? Il est où? Isaac? Yeah, yeah. Alors? Yeah. Alors? C'est bon la régie, c'est bon la régie. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Vous êtes prêts ce soir? Tout le monde. Vous êtes prêts ce soir? On y va. Téléma. C'est Are you ready? Célébrer. 1, 2, 3. Tu m'entends Nema? Dime tu ya pa tu se ma absente baba. Je vais t'entendre chanter, on y va. C'est Quando você ouve-me, everything you need is because of Jesus with me. Go. Why? Nalokolo, c'est un. Est-ce qu'on dit mololo? Dansez, move. Écoute ceci, Come on. You have blessed me plenty. You gave me more than the work you never gave me. Yeah. Je ne sais plus me taire aux éléments. Car ce que je fais dépasse mon entendement. Tout le monde, commençons à danser, le dieu de la délivrance. C'est la négligence, sinon dans notre affaire, pas ambulance. De Kinabidjan passant par la France. Papa est là, on a confiance. Comment la différence entre nous, c'est qu'on continue Dieu. 1, 2, 3, 5. Mouvez, dansez. A dit de manger le cabadou. J'aime pas aller au paradis. A du gaba, y'a la loco. En enfer, y'a basaraba. Attendez. Papa est. Je ne sais plus me taire aux éléments. Car ce que tu fais dépasse mon entendement. 1, 2, 3, 4. Oligolo na mode. Come on, comme ça. Become on Zamba Sali. Papa San Zamba Pessi. Ah. Est-ce que tu peux danser? Freestyle. Come on. Say. Vamos, are you ready? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Joe! Je t'entends pas! Bon, on y va! Lenda Lokolo! Ce! En tout cas, Zamboyo! Aébi Kolombo, la Sonia! Écoute ceci! Comme ça! Ce! Toquez, célébrez! Ah, fais du bruit. Toquez dans mon amour.
merci. Faites du bruit pour Jésus. Maman, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour KS Bloom? KS Bloom, vous pouvez revenir s'il vous plaît. On peut avancer légèrement s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est depuis la Côte d'Ivoire que tu suis cette compétition. Bien Qu'est-ce sûr. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de Madjabou Talent? Madjabou Talent, c'est une bénédiction. Parce que souvent, on a le potentiel, mais il n'y a personne pour pousser le potentiel. Donc, c'est déjà une bénédiction. Et déjà, à dire à tous nos candidats, c'est mon message pour eux. C'est quand tu pries pour dire, Seigneur, donne-moi la victoire, ce n'est pas une bonne prière. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Dieu, fais échouer l'autre pour me faire réussir moi. C'est vrai. Sachant que Dieu ne fait exception de personne, il ne va pas te prioriser parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Exact. Donc la bonne prière, c'est dire quoi? Seigneur, donne-moi de donner le meilleur de moi. Parce que généralement, quand on vient, on regrette de ne pas être au top, de ne pas avoir donné tout. Quand tu donnes tout, quel que soit le résultat, tu n'es pas déçu parce que tu sais que tu as tout donné. C'est ça. Donc, j'aimerais dire à tous mes frères, ne soyez pas choqués ou ne soyez pas découragés par rapport aux résultats. On est tous des enfants de Dieu et la victoire nous appartient à tous. Que Dieu vous bénisse. Que pense le peuple ivoirien de cette initiative, Madjabou? Nous, on attend Madjabou. On est tellement pressés que ça arrive chez nous parce qu'on a beaucoup de talent aussi. Voilà, comme mes frères congolais ici. Donc, on a hâte, étant ambassadeur en Côte d'Ivoire, on a hâte que les auditions commencent chez nous aussi. Donc, c'était ça, le message. Merci beaucoup, KS Bloom. Est-ce qu'on peut applaudir l'ambassadeur? Merci.